C'est dans un match avancé de la 12e journée à l'entente urbaine des footballs de Colusi que le FC Soukissa a déroulé le club étoilé du Latin ce mardi 16 février par la note de 5-1 au stade Manika. D'abord, Kyungu Salomon a signé un doublé dans ce match à la 30e minute, puis à la 40e. 2-0, il score à la pause. Une minute après les citrons, Kakuji va scorer pour le troisième but des cheminots avant que Kyungu Salomon ne revienne pour signer son triplé de la saison dans un match à la 57e minute, qui sera aussi le quatrième but de FC Soukissa dans ce duel. 20 minutes plus tard, Nkulu Amandé va s'illustrer avec l'unique but marqué par l'étoile du Latin. Alors que Soukissa n'avait pas encore dit son dernier mot, c'est comme ça que Mokati Mofia va corser l'addition définitivement dans ces matchs à une minute de la fin. Ce qui n'a pas marché, on a été faible sur le plan physique et au niveau mental. Dès les 30 premières minutes, on a essayé de jouer, on a maîtrisé le match, mais ils ont lâché lors du premier but. Merci. C'est le travail qu'on avait fait au début, c'est ce qu'ils sont en train de payer maintenant. L'objectif, c'est jouer les championnats provinciaux. Donc, cette année, nous sommes décidés de jouer les championnats provinciaux. À 5 buts contre 1 face à l'étoile du Latin, FC Soukissa vient de lancer un message très fort au FC Renaissance de Colusi avant leur confrontation prévue le dimanche 21 février prochain au stade Manika.